parti. Écoute, c'est pas compliqué, sauf que la dernière fois, j'ai pas compris pourquoi, elle a mal compris, mais très mal. Ouais. Donc on oublie. Voilà. Donc tu pars, il y a des faux pour aller devant là-dedans un peu. Ouais, il va y en avoir. Il va y en avoir. T'as le 6, loupe pas le départ. Mm-hmm. Hein. Tu prends dans son action, tu tires pas spécialement, mais non, prends un dos, elle facile. Peut être assez à lente, quand même. Quand même. Elle peut ouais. Donc tu me la planques bien. Et dans la mesure du possible, tu essayes d'aller elle peut pencher un petit peu à gauche, ouais. Peut-être. Donc tu vois, si tu peux te rabattre gentiment, progressivement à la corde, ça sera parfait. Et tu la montes pour elle et tu lui donnes une bonne chance de se rééquilibrer. Hein. D'accord. Okay. De toute façon, ça arrive à la deuxième poteau. Donc... Hein ? Oui. Et tu vois. Hein. Donc, pars bien, si tu peux être 6-7 dans la course, pas trop loin, et sans qu'elle tire. Ouais, la montée décontractée, et si possible, et avec l'appui du reste, qui évitera qu'elle... Tu verras bien. Hein, si ça se trouve, elle ne va pas pencher, peu importe. Hein. Ok ? Voilà. Ok, merci. Toute la course, je suis un peu mou, ouais. Mais des contracts. Et quand il faut, on est à notre hauteur dans l'air. Et là, c'est balance, Freddy. Dans le virage. Bon, on doit batailler un peu pour garder notre place. On balance, numéro 1. Elle ne sait pas... Elle a pourtant respiré. Elle a bien respiré. Ouais, ouais, ouais. Moi, franchement, j'ai pas eu... Hein. Je ne vais pas dire que le tableau n'était pas... était pas sympathique, mais par rapport à ce que vous m'aviez mis en garde, j'ai pas du tout eu le sentiment d'avoir une pouliche ou du jument qui court. Non, non, elle a penché un tout petit peu en rentrant dans la ligne droite, elle a bien négocié son virage, et pourtant au moment où on arrive au bout de la ligne d'en face, où je recolle sur les chevaux qui sont juste devant moi, on se fait un petit peu éponger par le cheval d'Alban de Mieul. Ça l'a pas fait, au contraire, plonger davantage. Elle est restée en ligne, juste les 50-100 premiers mètres, là, elle a cherché à aller vers la corde. Mais bien qu'elle ait respiré, j'ai pas pu la relancer. Elle est restée dans son action. Et puis, une claque ou deux, ça n'a rien changé. Mais j'ai trouvé, par contre, qu'elle était décontractée, j'ai pas eu besoin de batailler avec. Je suis parti au canter sur des rênes longues. Elle s'est posée, elle était bien, quoi. Mais pas de gaz au moment accéléré. Et sans ça, dans le parcours, ça allait. T'avais du gaz normal. Gaz normal, j'ai un moment... elle est bien sortie des boîtes. J'ai pu prendre un dos. Les chevaux, quand ils sont venus à l'extérieur, ça l'a fait juste sauter sur son mors ce qu'il faut. Et après, elle était calée derrière les autres, elle bougeait pas. Okay. Et pourtant, quand il y a un wagon 2 qui est passé, ça donnait le gaz que ça donne à chaque fois aux chevaux, quoi. Tu fais un petit à-coup comme ça, mais sans plus. Ok. Bon. Merci. Éminence à la douche, bon, j'avais pas l'air de beaucoup souffler, mais pas d'accélération pour finir. Je vais être une super bien entraînée. Vous savez, une scène de rouleur, un peu comme ça.